Salut à toutes et à tous, c'est Koenigsegg, on se retrouve sur l'archipel de Tropico pour poursuivre évidemment la construction, l'édification de notre puissance, notre propre superpuissance tropicienne bien sûr, avec tous les programmes nucléaires et évidemment d'exploration spatiale qu'il faut. De programme spatial, j'ai plusieurs bâtiments que j'ai lancés en construction avant de lancer la vidéo. Le premier, eh bien c'est un bâtiment qui va nous donner plus d'argent encore et qui s'appelle le palais de justice. Et le palais de justice, lui, on va s'approcher un petit peu. Voilà, le palais de justice, il va nous permettre de produire de l'argent pour chaque citoyen détenu dans un donjon, une prison ou un asile. Alors du coup, je me suis dit que, comme je suis un président et qui veut être un peu efficace, on allait faire un asile en plus et faire emprisonner quelques leaders politiques adverses ou opposants, chefs rebelles, etc. pour les taper dedans et se faire un petit peu d'argent en plus sur leur dos. Ça pourra toujours faire plaisir et ça, ça se trouve dans service public. Soignez les personnes que vous avez internées, elles perdent leurs opinions politiques. Donc on va revenir voir ici après. Je suis en train de faire cet asile, un petit peu à l'écart de la ville, ici. On met les personnes au vert, qu'elles retrouvent un petit peu leur sens commun, qu'elles arrêtent de vouloir contester tout et n'importe quoi. Et qu'elles perdent leurs opinions politiques indésirables. C'est le but. Et puis aussi on peut se faire un peu quelques piécettes en plus, c'est parfait. A noter que, oui, ça c'est un restaurant en gastronomie qu'on peut mettre touriste uniquement, mais j'en ai déjà fait un de l'autre côté, hein, pas de problème. Voilà, le palais de justice est terminé. Je l'ai mis ici derrière le palais du gouverneur, enfin du gouverneur, donc je reviens derrière dans le temps là. Ça fait longtemps qu'on n'est plus gouverneur, on est présidente bien sûr. Loi des affaires produit 50$ par bureau et par bureau offshore chaque mois. C'est bien, on va débloquer ça, ce sera utile. Il n'y a pas vraiment de... Je pense que là on produit de l'argent avec les criminels et là on ne les produit plus avec les criminels sans doute, mais pour l'instant j'ai pas des masses de criminels donc. Ça on va faire. Donc je vais débloquer la recherche, les modes de fonctionnement pour l'asile, mais je pense que c'est là. Mais que je l'ai déjà, tiens. Oh, c'est pas l'asile, pardon, c'est le... Où est-il? Le palais de justice, voilà. On va faire le jardin botanique aussi, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc le palais de justice, c'est bon. On aura sans doute des travailleurs de type aisé, riche. Ça va habiter dans les maisons. Ils ne sont pas forcément pleines. On ne va pas en faire d'autres pour l'instant. Alors, on va terminer la construction ici. Là, j'ai fait un parking supplémentaire. Ça coûte pas grand-chose et c'est toujours utile. On a un héliport. On a une bonne clôture. Répétition reposante. Ou alors, voix de la pilule rouge ou de la pilule bleue. D'accord, les prisonniers relâchés sont de grands fans du Presidente et influenceront un certain temps les gens qu'ils côtoieront. Les coûts d'entretien augmentent de 20$ et les salaires de 2$. Voix de la pilule bleue. Les prisonniers relâchés ont l'impression d'être des touristes à la fin de leurs vacances, et ils contribuent à un classement favorable. Les coûts d'entretien augmentent de 20$ et les salaires de 2. On va prendre la voie de la pilule rouge. On va augmenter l'efficacité. Et on va aller voir. On va aller voir qui on va interner. Alors évidemment les rebelles, ça peut être pas mal. N'oublions pas que, une fois qu'ils seront internés, ils vont... Bah, leur famille ne va pas être contente, elle risque de devenir des rebelles elle-même, et lui n'a pas beaucoup de famille, donc pourquoi pas. Pas disponible quand la constitution est configurée sur séparation complète dans... Ah oui. Quelle erreur. Quelle erreur au niveau de la justice, c'est où? C'est pas là. Voilà, séparation des pouvoirs, on va faire séparation officielle. Boum, on revient ici. Hola. Toi, on va te faire interner. Les rivaux politiques. Alors là, je comprends qu'en fait, ce sont des... C'est pas des rebelles. Ils marchent dans le même gouvernement que nous, plus ou moins, mais ils veulent prendre notre place, tout simplement. Donc toi, on va t'interner également. Tout, on va t'interner également. Un espion, évidemment. Ah, il est déjà en garde à vue, lui. Ok, très bien.
Bon voilà, on va pas interner plus pour l'instant. Ça coûte quand même un peu d'argent, mais bon, soit. Ça peut également, on l'a vu, normalement, rapporter de l'argent. Alors, autre chose que j'ai commencé à construire, que j'ai placé, c'est ceci. Ah, bah, il est déjà construit, cool. C'est le club nautique, qui est fréquenté uniquement par les riches. Alors, le club nautique. On a plein de points de connaissance. Je pense que je vais suivre votre conseil. On va débloquer un max de trucs. Et puis, si j'ai besoin d'autre chose, on pourra toujours attendre un petit peu, mais... file est pleine. Mucho importante. Nécessite un niveau économique de palier richissime. Augmente les frais de 100%. D'accord. Si on veut, on peut en faire deux. Un pour les riches et un pour les richissimes. On touche avec les yeux. Nécessite un niveau économique de palier aisé. Diminue les frais de 50%. D'accord. Là, on diminue le niveau. Ok. Alors, je vais faire... on va en faire deux. Un pour les riches. Et un pour les aisés. Les richissimes, j'en ai pas des masses, j'ai l'impression. Le club nautique, où est-il? Je viens de le faire, déjà je ne le retrouve plus. Je crois qu'on est plutôt dans divertissement de luxe, voilà. Voilà, on va en mettre un ici. Ce sera pour les aisés. Oui, touristes uniquement, évidemment. Débarcadère privé, les touristes richissimes peuvent utiliser ce bâtiment pour quitter l'île. Augmente la note de ceux qui partent depuis ce bâtiment. Alors pourquoi pas, parce que c'est un one shot, on ne paye qu'une fois. Comme d'hab, on dépense un peu sans compter, mais c'est pas grave. On commence à avoir quand même pas mal de gueule. Autre chose qu'on peut faire pour gagner plus d'argent par rapport au palais de justice, c'est le bureau offshore. Le problème, c'est que... il va produire de l'argent, mais il va faire baisser les relations avec la superpuissance associée à la superpuissance qu'on va mettre ici. Et le souci, c'est que j'ai pas vraiment, pour l'instant, des relations hyper bonnes. On a le décret réception qu'on peut refaire, mais c'est pas tout de suite. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment besoin d'argent, donc je vais pas faire cette plateforme tout de suite, on la fera plus tard. Le ministère de l'Information augmente les chances de découvrir les rôles cachés. Mais un truc que je voulais vraiment faire, c'était... c'était au niveau infrastructure, non. Je cherche où c'était. Voilà. Le panneau d'affichage motivant à placer près d'une route augmente l'approbation de chaque passant. Et puis la statue motivante augmente la beauté. Choisissez une pose pour influencer les citoyens vivant en proximité. On va mettre les deux en parallèle dans les différents endroits de notre île. Donc les panneaux, c'est sur les routes, on va en mettre un quand on quitte ce bled-ci. On peut mettre de chaque côté, mais je crois qu'il le voit, peu importe hein, le côté dans lequel, duquel on le met. Un ici, voilà, ça s'affiche de deux côtés, donc à la limite dans un carrefour, c'est plutôt pas mal. On va en mettre un là. Bon, là, c'est au niveau des touristes. J'ai peut-être pas trop envie d'en mettre. Ici. Je crois pas qu'en termes d'entretien, ça coûte... ça coûte une blinde. On va regarder. Non, ça coûte rien à entretenir. Et les modes de fonctionnement augmentent l'approbation. C'est bien. Diminue les chances d'émigration des citoyens vivant à proximité. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Puisque j'ai empêché les migrations de toute façon. Hein. Recycler, réduit la pollution des bâtiments. Faites attention, diminue les chances des citoyens vivant en proximité de devenir des criminels. Ne jamais croire au feu, diminue les risques d'incendie. Et rotation lourde. Ça change automatiquement de mode tous les 50 à 150 jours. C'est amusant. Nous, on va laisser l'approbation, c'est ça qu'on veut. Même si je suis quasiment au max, j'aimerais bien. Ce serait assez sympa d'arriver à 100% quand même. Qu'on en met plus ou moins à tous les changements
de quartier, au niveau des passages, plus ou moins. Il y a des endroits où il n'y a pas vraiment de passage particulier. Ici. Il faut en mettre un peu partout. Ça rend les gens heureux. Ou ça leur donne l'impression d'être heureux, ce qui est déjà pas mal, finalement, quand on y réfléchit bien. La statue motivante augmente la beauté et on choisit une pose. Alors on va en mettre une première, on va regarder un petit peu ce qu'on peut choisir comme pose. On va regarder d'abord ici à l'arrivée de la ville. Ouais, par contre, ça prend de la place. On va les mettre là où on peut, c'est-à-dire que ici on a une place pas mal. Ah, il faut choisir avant de la mettre, d'accord. Leader passionné améliore légèrement l'approbation des citoyens qui travaillent ou vivent près de la statue. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Bienvenue dans la famille. Ah, ça dit pas ce que ça fait avant de la mettre. Ok. Augmente l'approbation des immigrants vivants ou travaillant près de la statue. Les effets de plusieurs statues ne se cumulent pas. Soit. Contre-maître impitoyable. Alors ça, vaut peut-être le mieux le mettre près de zone de travail. Réduit la liberté dans la zone. Les citoyens qui vivent près de la statue présentent moins de risques de devenir des rebelles. Ah, qui vivent. Bon, tant pis. C'est bien quand même. Humble serviteur. Est-ce que je peux la mettre en diagonale ici? Oui. Augmente la liberté dans le secteur et améliore les relations avec les superpuissances dans les ambassades proches. Ah. Est-ce que je pourrais en mettre une autre près d'une ambassade? On va refaire éventuellement... l'une ou l'autre ambassade. Faut pas que j'oublie de louer également de temps en temps. Ça aide. Je pourrais en mettre une là, par exemple, de statue. En fait, idéalement, il en faut une près de chaque ambassade. Mais bon, la portée est extrêmement faible. Et je peux remplacer... Mais là, c'est pas un parc. Ah bah ici, à côté. Ça sera très bien en plus. Un tout nouveau sport fait rage dans les rues de Tropico. Il s'appelle Rébellion. Le gouvernement rappelle cependant que sans licence, toute pratique sportive est illégale. Je crois qu'on a un problème de rebelles ici. Oula, faites gaffe. Mais bon, ils vont se faire dégommer, hein, c'est pas un souci. Victoire. Donc là, j'ai déjà fait pas mal des choses que je voulais faire. On va placer encore le dirigeable policier, vous me l'avez demandé. Il sert de commissariat mobile, ça va être utile. Sur l'île principale de préférence, ou celle-là peut-être. Comme ça, le dirigeable pourra rayonner tout autour. J'aurais bien envie de le mettre ici, ça pourrait être bien. Voilà. Moteur diesel augmente la vitesse de déplacement du dirigeable de 33%. Sélectionnez un emplacement pour qu'un dirigeable de police patrouille entre celui-ci et la position actuelle. Oh, ok. Alors on va le faire patrouiller sur l'île principale, les touristes ont peut-être un peu moins besoin. Ah attendez, je peux l'envoyer vers un autre lieu, ensuite on fera une patrouille, d'accord, on va faire ça. On va le déplacer. Ici. Ici.
Et quand il sera arrivé au bout, je ferai alors une patrouille jusque là. Il fera des allers-retours comme ceci tout du long. Je pense que ce sera pas mal. Ça donne quand même pas mal, hein. Je suis assez content. Carrément content. Alors on va poursuivre. Les bureaux l'ont déjà fait. Le ministère de l'Information augmente les chances de découvrir les rôles cachés des autres bâtiments et de déverrouiller l'interaction avec les citoyens. Arranger un accident. Ok. Ok, ok. Alors le ministère de l'Information. On pourrait peut-être mettre un bâtiment quand même administratif un peu plus sérieux de ce côté-là, si j'ai la place. Je pourrais le mettre devant la station de télé, là, ici. Le style du bâtiment va encore pas trop mal avec l'endroit, je trouve. Ça me permet de donner un aspect un peu plus rempli ici. On arrive, on voit le gros bâtiment là. On va essayer de remplir encore un petit peu avec des habitations, peut-être, et des parcs. Vente des données. Vous gagnez 25$ sur le compte en banque en Suisse par rôle de citoyen caché découvert. Très bien. Agent infiltré, vous serez prévenu des soulèvements imminents. Il y a une chance de 50% d'annuler les frappes rebelles. Ok. Vous me rappelez quelqu'un? Alors, est-ce qu'on a arrêté les gens? Est-ce qu'ils sont bien au chaud dans leur chambre capitonnée? Ah ben, on voit là justement, je pense. Il peut vous aider? Le rival. Ok. Ça aurait été cool qu'ils doivent... Est-ce qu'il est emmené par... Il est emmené par qui, là? Un tropicien. Activité loisir, tiens donc. Ça aurait été cool qu'il y ait des ambulanciers habillés en blanc, donc ils viennent les saisir de force, mais bon. Ils vont par eux-mêmes à l'hôpital psychiatrique, ils sont motivés. Allez, très bien. Ok, on a fait pas mal de nouveaux bâtiments. Je vais peut-être passer un petit peu à de l'optimisation. Notamment, oui, on va en faire un nouveau bâtiment peut-être au niveau des divertissements de luxe. Mais d'abord, on va regarder au niveau de l'électricité où on en est parce qu'à mon avis, on est très limite. Équilibre du réseau plus 129, on me met... donc en fait, ça va. Ça va, ça va. Je vais refaire peut-être l'une ou l'autre ambassade. Oui, on va refaire des ambassades. On va en mettre une ici. Je mets un parc 2x1 parce que je sais qu'une route ne pourra pas passer là de toute manière. Est-ce que je voudrais en mettre une là? Oui, sans doute que oui. On va mettre ça comme ça pour terminer ce coin-là. Et on va mettre une ambassade pour accueillir... Oh, attendez. Chine, USA. Je crois qu'avec le Moyen-Orient, ma relation n'est pas assez bonne. Prenons la Chine. Voilà, on va en mettre une encore ailleurs. Alors si je veux, je peux directement, puisque je sais que c'est utile, mettre la statue correspondante. Je vais juste retrouver où ça se trouve. Hein. Où est-ce que c'est? Où sont les statues? Tourisme, non? Ouais, médias, éducation. Pas trop mettre en diagonale, là ça va tout nous mettre mal pour la suite. Je vais la mettre là, tiens. Ah non, là on n'a pas, ça ne n'atteint pas, alors mettons là. Je pourrais rien mettre, non. Je vais en mettre une quand même du coup pour les USA peut-être. Est-ce
Est-ce qu'on pourrait mettre ça peut-être de ce côté-ci? Bon, souvent les ambassades dans les villes vont par quartier. Vous avez des ambassades qui se retrouvent dans un même quartier, la plupart, ou quelques quartiers, qui sont des quartiers riches souvent. Mais comme c'est tous les mêmes bâtiments, là, j'ai pas trop envie. On va mettre ça là. Ok. Et ce que je voulais encore faire, c'était absolument dans divertissement de luxe. Non. Dans tourisme. Plus. Voilà, la salle d'arcade et la salle de cinéma. On va commencer par les salles d'arcade. Ça demande combien en... Ça demande 10 en mégawatts. Ça va encore, je peux m'en mettre plusieurs directement. On va en mettre de toute façon ici. Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre ça? Il y aura des casinos également. Le casino, il est là. On pourrait mettre la salle d'arcade ici, par exemple. Oui, c'est pas mal. J'aime bien avec le coin ici qui est un peu comme celui-là. Je pense que ça donnera bien. Oui, c'est pas mal du tout. Ouvert jour et nuit, en ligne. La qualité est réduite, je veux pas. Touriste uniquement, certainement. Ouais, ça avance bien ici. La salle d'arcade, c'est bon. Et on va mettre au moins une ou deux autres ici. On peut regarder un petit peu où on manque de loisirs éventuellement, mais j'imagine qu'on en manquera encore un petit peu partout. Qualité des loisirs. Oh, ça va encore, hein. On a beaucoup amélioré les choses en plaçant beaucoup beaucoup de nouveaux loisirs dans la dernière vidéo, si vous vous souvenez. Donc en fait, en loisirs, on est plutôt bon, sauf de ce côté-ci. En fait, on mettrait bien une salle d'arcade de ce côté-ci. Honnêtement, pourquoi pas? Ça s'y prête peut-être pas tellement parce qu'on est dans un coin plus industriel et excentré. Donc je pense qu'une salle d'arcade, ça donnera pas bien, mais on mettra d'autres choses. Bon, vous savez quoi, on va le faire maintenant pour remonter un peu le niveau ici. On va mettre certainement... Je veux une taverne pour les travailleurs, on n'en a pas encore dans ce coin-ci. Donc on veut une taverne dans ce coin-là. Parfait. On va mettre un restaurant aussi. Un fast-food. Et on va mettre une taverne et un fast-food et je pense que ce sera déjà pas mal. On va pas exagérer. Et le fast-food, on va le mettre en bout de rue ici. Voilà, les burgers reprennent, livraison gratuite à volonté. Oui, d'accord, ça je veux pas spécialement. Système d'épuration du pétrole augmente la qualité du travail de 5. Augmente la qualité du service de 5. Comme ça, ils ont un resto, ils ont une quand même ceci. Je pense qu'il n'y a pas la foi de ce côté-là par contre, on va peut-être rajouter une petite chapelle au moins. Couverture de la foi et qualité de la foi, c'est pas bon. Ah, la chapelle, on va la mettre ici du côté des habitations et du resto. Je pourrais même faire un coin à la route, peut-être. Je sais qu'il n'y a pas forcément besoin, mais visuellement ça donnera mieux. Voilà. Ça me paraît bien ainsi. Ok. Alors avant que j'oublie, du coup, on était parti pour faire quoi? On était parti pour faire
dans loisirs, la salle d'arcade. J'en ai mis une pour les touristes. Et on voit qu'on a encore de grosses files d'attente ici pour les amusements. Donc on va essayer de caser quelque part une salle d'arcade. On va essayer de trouver un logement qui est vide, tout simplement. Un ou deux. C'est le plus simple quand vous voulez trouver de la place, je pense. On a ici un conventillo qui est à peu près vide, mais ça, il n'est pas complètement vide. Je vais le laisser. On pourrait mettre la salle d'arcade du côté du port. Si j'enlève ce bâtiment, on pourra la mettre là. Ce sera pas mal. Oui, ça me paraît bien. Il n'y avait personne dedans. Ah, Tropico est attaqué par Moyen-Orient. Ça m'inquiète pas. On va la mettre comme ceci. Ouvert jour et nuit, c'est bien. Ceci. Là, on mettra sans doute rien. On va mettre un parc. Les trous. Les gouvernements nient l'existence du réchauffement climatique. Les sauts montent à cause de la multiplication des lézards géants moutants. Voilà, ça c'est scientifique. Oula. Oulala, c'est le débarquement. C'est la baie des cochons, le retour. On va leur faire la peau. J'espère. Boum. Bon, ça va pas affecter les points de vie là. Oui, là, il a perdu la moitié de ses points de vie. Ok. C'est pas mal, on converge en fait vers le point où ils vont. Oh, ben. Il recule. Il s'enfuit. Les lâches. Ouais, ils sont en train de se faire dégommer, j'espère. On a des tanks, on a tout ce qu'il faut. On devrait avoir tout ce qu'il faut pour se défendre. Je crois qu'ils m'ont détruit un bâtiment là. Et là. C'est bon. C'est bon, mais attention, ils nous ont cassé quelques bâtiments. Il faut les refaire. J'espère qu'il se souvient du mode de fonctionnement. Ça m'étonnerait. Bon, ça reconstruit, c'est le principal. Voilà, on va se quitter ici pour cet épisode. On arrive tout doucement à la fin. Prochaine vidéo, on va certainement faire, puisque j'ai dit que je voulais tous les bâtiments dans ce let's play, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Donc on a encore quelques petites choses dans les gros bâtiments, on commencera peut-être par ça d'ailleurs la prochaine fois, c'est le programme spatial pour voir évidemment la navette décoller. On va s'y prendre relativement tôt parce que ça risque peut-être de prendre du temps, je sais pas, on va peut-être devoir le développer ce programme spatial, donc... On verra ça ensemble. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous !